She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me cold, I thought she was a. Mais quand
dit pour faire tout, 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 pour que la voiture démarre 80 000. J'ai dit, oh, va faire. J'ai dit, va faire. Moi, je vais m'asseoir ici pour dire, un illettré, voilà un illettré. Voilà un illettré. C'est un colo, colo. On appelle ça corps à corps. Je ne connais même pas papier. Je n'ai pas de manager. Écris encore, mon frère. Moi, je n'ai pas peur de commenter. Les commentaires vont me servir à parler de votre pays. Mon commentaire, là, votre commentaire va me servir à parler de votre pays. Appelez-moi le professeur investi ici. Il va me dire son salaire ici. Nous, on a trop compris. On a trop compris. Ça avant quand tu vas ressembler à Cameroun au temps de Babou. C'est là les jeunes assiettes buvaient dans ma guille matin quand le soir. C'était au temps de Babou. C'est au temps d'Adola. Tu ne piles pas, tu ne manges pas. Tu dors, ta vie avance, tu n'as rien. Actuellement, on ne ressemble même plus. On ne ressemble même pas au Cameroun. Ça avant, on ressemblait au Cameroun. Actuellement, là, on ressemble aux Américains. Car ils ont monnaie. Le temps, c'est de l'argent. Aïe. On va éliminer le Bambara. On va éliminer Bambara. Ce qu'on appelle douleur par le marché. En fait, quand on va arriver au marché, ouais, how are you? Oui, ils sont beaux, ils sont combien? Ils sont beaux, ils complètent. Et tu as ok, tiens, bon, on appelle nous. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japap du Béret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est là pour donner les infos là, sur mur et dur. Voilà l'info. Info Cameroun, Côte d'Ivoire, toujours le sujet. Voilà, vous avez suivi la vidéo, non? C'est ce petit morveux là, c'est Seni Kramba. Voilà les gens. Nous, on a condamné le fait que c'est Rose Black qui a envoyé cette pétition pour qu'on boycotte la CAN. On a condamné ça parce que Rose Black ne peut pas parler au nom des Camerounais, de tous les Camerounais. Mais voilà aussi ce petit morveux qui vient aussi sortir. Il fait la même erreur. Donc, il vient parler au nom des Ivoiriens. Les Camerounais ne les veulent pas. Hein? C'est que je n'ai pas pris le live dès le début. Le Cameroun, c'est qui? Ils ne sont pas mes frères. On n'est pas voisins avec les Camerounais. On s'en fout du Cameroun. Oui, si c'est encore le Togo, machin, que je fais, oui, on se comprend. Oui, oui, oui. Mais mon frère, celui, tu viens te justifier que tu n'es pas villageois. Celui qui t'a dit que tu es villageois, là, il t'a même raté. Il t'a même raté, mon frère. Hmm? Parce que, sans te mentir, si c'est pour aller à la CAN, moi je suis prêt. C'est que je n'ai pas le temps, je pouvais aller à la CAN. Mais c'est quand là en Côte d'Ivoire, voir un visage comme pour toi là, et je ne parle pas en Côte d'Ivoire. Un laid visage comme ça là. Tu es affreux, mon type. Ouais. Tu parles des Camerounais. On cherche l'unité africaine. Tu es là, tu viens raconter les bobas. Tu parles au nom des Ivoiriens. On te dit que les Ivoiriens pensent comme tu penses là. Hein? Ceux qui sortent même de quelle brousse? Il montre l'argent. Donc, l'argent est à côté. Donc, tu fais live. Ça veut dire que tu avais en tête de venir montrer cet argent-là. Faut comprendre. Donc, il s'est préparé en conséquence. Parce que c'est pas comme si ton argent te suit. Quand tu passes, ça te suit. Tu es en train de faire live. Du coup, tu sors l'enveloppe à côté. Mon frère, on te donne l'argent. Et ça, tu gardes l'argent. Si l'argent est à côté, ça veut dire que tu venais faire live. Tu savais que tu vas montrer cet argent. Hein? Ça montre comment tu es villageois, mon frère. Rien qu'à voir la tenue que tu portes. Tu portes une tenue. Quand on a fait le tissu d'Alassane Ouattara, je comprends déjà quel genre de personnalité tu es. Tu es un lèche-botte, oui, comme beaucoup là. Tu es parmi les gens qu'Alassane disait, on va aller attaquer le Niger. Tu es parmi ceux-là. Oui, attaquer tes frères Camerounais, tes frères Africains. Tu es parmi ces gens. Tu es un lèche-botte du gouvernement. Je vous connais. Au Cameroun, on a beaucoup comme ça là. Je peux dire qu'il a Serge Tamba. Je peux te comparer au Cameroun avec Serge Tamba, par exemple. Oui, c'est vous êtes dans la même classe. Les lèches-bottes du gouvernement, après vous dites que vous avez l'argent, oui, oui, oui. Mais vous léchez les bottes, on ne sait pas ce qu'on vous fait là-bas. Hein, vous comprenez un peu, non? C'est qu'on vous fait dans les trucs là, vos petites réunions que vous tenez là. Hein, hein mon frère, on dit l'argent, l'eau lave, mais l'argent rend propre. T'as pas d'argent, là, tu ne rends pas propre. Hein, mon frère, mieux tu restes pauvre comme les nous, comme ça. Après, tu as ton avec, tu es là où tu es laid. Mon frère, tu es affreux. Tu dis, oh, tu as 5 millions de vues à machin. Les gens même qui cliquent même pour te voir, pour voir sur leur visage, vous faites comment, non? Vous n'avez pas mal aux yeux.
Ma soeur, il me fait mal aux yeux, celui-ci. Un bon villageois. Mon frère, c'est quoi ça? Là, même dans le Cameroun est devenu le torchon que tout le monde va sortir. N'importe quel imbécile va sortir et venir dire qu'il veut parler du Cameroun. Il veut... C'est quoi, non? La fesse devient même de quoi, même? Hmm? Mon frère, les gens comme ça font que je sors de mes gonds, même. Hein? On veut l'unité africaine. On veut la paix, on veut que la... Il dit non, non, non. La paix quoi? On veut la paix quoi? Hein, je m'en fous de que... C'est ce qu'il a dit. Le problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de prendre ça au début de son live là. Oui. La paix quoi? On veut Aka, les Camerounais veulent... Mon frère, tu es quel genre d'espèce d'être humain, non, mon frère? Ha! On dit l'argent rend propre. T'as dit tu es affreux, sale, mon frère. Ah! Reste pauvre comme les nôtres, c'est mieux, non? Tu sais que tu gagnes combien, mon frère? Ha! En tout cas, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi, hein, ne mettez pas les organes. C'est que ce petit énergumène m'a mis hors de moi. Entre que tu es un professeur, je peux payer, bah, tu racontes quoi, des balivernes. C'est bien de se faire de l'argent. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas l'argent qui rend riche. Ce n'est pas l'argent qui rend riche. Vous comprenez? Quand tu vas comprendre cette conception de la vie, tu vas comprendre que tu peux te faire du papier, les papiers que tu montres là. Ça ne te rend pas riche. Mm-mm. Ça ne te rend pas riche. Pas très riche. C'est ici. Mm? Tu comprends? C'est ici. C'est ici. Aïe! Là, tu vois un bon villageois, il est venu. Il ne savait pas qu'il allait peut-être toucher même ce genre de somme-là. Hum? Waka, la vie ici. La vie ici va tout nous montrer. C'était au temps de Gbagbo que machin. Vous voyez. Donc, il fait maintenant allusion au temps de Gbagbo que. Donc, la Côte d'Ivoire est devenue l'Eldorado de l'Afrique. Je n'étais pas au courant. Hein. J'ai perdu un chapitre là. Mes frères, venez me dire. Parce que je comprends que la Côte d'Ivoire est vue comme le Cameroun, considéré comme les pays pauvres en voie du développement. La Côte d'Ivoire, oui, on est, oui. Ou bien c'est là devenu l'Eldorado, je n'ai pas su. C'est là devenu comme l'Éthiopie ou bien le Kenya qui sont en train de s'émerger vraiment là, je n'ai pas su. Ou bien comme l'Angola, que même les Blancs viennent pour aller travailler là-bas. C'est déjà ça, moi je ne savais pas où. Peut-être moi, je vais laisser même l'Espagne qui est ici là, je descends même, c'est moi en Côte d'Ivoire, me chercher. C'est devenu l'Eldorado de l'Afrique. Mon frère, il ne faut pas raconter de trucs là. Quand tu viens pleurnicher au gouvernement pour dire que tu veux lécher les bottes, hein, faut laisser les Camerounais en paix. Hein? Tu parles de Gbagbo, le temps de Gbagbo, c'est au temps de Gbagbo que maintenant là, c'est bien. Donc tu veux déjà lécher les bottes dans la sang, tu es en train de lécher même. C'est ce que tu fais, mon frère. Il faut nous laisser ça, hein. Et que tu ne connais pas Paul Biya. Et qui? On le connaît. Nous aussi, on le connaît. Tu crois que nous, on gère Paul Biya? Nous, on le gère. Pour tu crois qu'on est, on est fiers de Paul Biya? On n'est pas fiers. Tu vois que quoi? Tu vas dire ça. Paul Biya, on va sortir. Tu dis que non. Paul Biya, fais ce que tu veux de Paul Biya. Tu te comme tu veux. Mais le Cameroun, il faut laisser le Cameroun. S'il te plaît, mon type. Hein? Oui? Ouais. C'est pour ça que, même Alassane, je peux parler d'Alassane, j'insulte comme je veux. Oui, mais les Ivoiriens, c'est un peuple. On doit respecter ce peuple. On sait qu'ils ont, ils sont victimes comme nous là. Victimes des Français qui passent par les Africains, par nos frères, pour nous martyriser, pour nous exploiter. La Côte d'Ivoire est dans la même situation avec Alassane, comme nous avec Paul Biya, oui. Vous n'avez pas, tu ne vas pas nous montrer le contraire, mon frère. Tu es un ignorant. Tu n'es qu'un ignorant, mon frère. C'est ni sans cran, quoi, là. Dis donc, la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.